Bonjour, c'est Noblus et je vous présente le porte-avions américain premium de rang 7, le Seipan. Pour la petite histoire, le Saipan a été lancé le 8 juillet 1945. Il s'agit comme son petit frère l'Indépendance d'un porte-avions de classe léger. En effet, il s'agit d'une reconversion à partir d'un croiseur, comme vous pouvez le voir le bas c'est le châssis d'un Baltimore, il a été adapté pour en devenir un porte-avions. Cependant, ces navires ont une carrière originale car ils ont été rapidement dépassés en tant que porte-avions et ont été transformés par la suite en navires de commandement ou pour le Saipan en navire de relais de communication, comme vous vous pouvez aussi le voir, il a des avions tout simplement magnifiques. Ce sont des avions de rang 9. Vous avez bien entendu des avions de rang 9 sur un porte-avions de rang 7. Maintenant, passons un petit peu à ces statistiques. Il y a deux contrôles de vol disponibles. Le premier étant trois escadrilles de chasse et une escadrille de bombardier. Sachant qu'il y a trois chasseurs par escadrille et huit bombardiers dans l'escadrille de bombardier ou, le contrôle de vol numéro 2, vous perdez une escadrille de chasse, vous passez à deux escadrilles de chasse, vous perdez votre escadrille de bombardier, mais vous troquez tout ça contre deux escadrilles de torpilleurs. Il y a trois avions par escadrille de torpilleurs. Au niveau des points de structure, il a 44 600. Il possède un moteur lui permettant d'atteindre les 33 nœuds. Il a une détectabilité en surface de 11,9 km, aérienne 12,7 km. Il a une capacité de hangar de 48 unités. Au niveau des avions embarqués, donc ce sont bien des avions de rang 9. Pour les chasseurs, il a des F4U4, des Douglas AD1 pour les torpilleurs, de rang 9 également, avec des dégâts maximum de 9867 par torpille et des Douglas AD2 pour les bombardiers en piqué avec des dégâts maximum de 10 800 points de dégâts par bombe et des bombes donc de 1000 LB. J'ai joué quelques parties en tant que bombardier ou en tant que torpilleur. J'ai une légère préférence pour l'escadrille de torpille, bien que ça soit assez difficile, mais je vous ai consacré un petit gameplay derrière avec le châssis donc de chasseurs et de torpilleurs. Et on se retrouve de suite pour le gameplay. Et voici donc le gameplay. Donc j'ai la configuration 2 escadrilles de torpilleurs, 2 escadrilles de chasse. Je possède 4 chasseurs par escadrille car j'ai le talent niveau 5 du capitaine de supériorité aérienne. Et ajouter un chasseur dans chaque escadrille de rang 9, c'est vraiment pas négligeable. Donc je suis parti vers le nord, voir un petit peu si je pouvais trouver des cibles. Et vu que je ne vois pas les avions ennemis pour l'instant. Ah, apparemment la chasse, c'est le centre de la map, donc je vais rapatrier euh, ma chasse sur la sienne et voir ce que je peux faire avec mes torpilleurs. Il y a un destroyer, ici, je vais peut-être essayer de le torpiller, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais utiliser mes deux escadrilles en même temps. Avec un peu de chance, je pourrais le, le sortir dès le début de la partie. Donc je fais un halt. Les torpilles sont larguées, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'espace entre chaque torpille. Une torpille touche. Moi qui suis habitué à jouer euh, porte-avions américains avec des escadrilles de six torpilleurs. Euh, il va falloir que je m'habitue à ce gameplay où les torpilles sont vraiment espacées. C'est un peu plus un gameplay de porte-avions japonais je dirais. Voilà, j'engage sa chasse. Je vais mettre même mes deux chasses sur la sienne. Les torpilleurs ont l'air de revenir très très vite, ça c'est sympa. Voilà, sa chasse est détruite. Je vais continuer à patrouiller parce que je n'aurais pas envie qu'il fasse le tour de la map avec ses... sa puissance offensive pour essayer de me sortir dès le début de la partie. Euh, le temps de rechargement des torpilles est sympa aussi, 15 secondes. Non, sa force offensive est en haut, du coup je renvoie ma chasse dessus. Il s'agit d'un hear you. Donc c'est un grade 7 tout comme moi. Je vais pas avoir de difficulté à lutter contre sa chasse, je pense. Voilà, mes torpilleurs sont prêts, redécolle. C'est parti. Ma chasse va bientôt réussir à intercepter sa force offensive. Je vais envoyer mes torpilleurs. Non, je vais m'occuper d'abord de ces torpilleurs à lui. Je ne vais pas utiliser de halte sur la chasse. Je vais assurer le coup en attaque standard. Histoire de couvrir mes alliés. Il y a un Furitaka et un Battleship. Si je pouvais leur éviter pas mal de dégâts, ça serait pas mal. Alors, les torpilleurs ont l'air d'être détruits petit à petit. Le Furitaka a pris une torpille. Le Colorado risque d'en prendre une aussi. Oui, le Colorado en a pris une aussi. Donc je continue. Je vais essayer d'attraper ces bombardiers, mais ils rentrent vite. Quant à mes torpilleurs, mes torpilleurs, ils, ils ont un petit New York en cible. Voilà. Comme la première fois, je vais essayer de larguer en même temps, histoire d'optimiser euh, mes chances. Il est bien se placer. Il est en train de tourner. Voilà. C'est parti. Ici ça devrait être pas mal. Bon il y a une torpille engagée par la chasse. C'est parti. Les torpilles sont larguées. Il tourne. Peu de chance, il va prendre les deux d'arrière. Une. Deux. Oh là là, il tourne, il tourne, presque il chavire. Et trois. Trois torpilles, une voie d'eau, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ma chasse rentre pour se réapprovisionner. Au niveau de l'évolution de l'équipe, on a déjà perdu 3 destroyers contre un seul en face. Donc on a un petit retard. La chasse, euh, une chasse décolle, une chasse est en train de se ravitailler. Autre chose, j'ai fait quelques parties aussi avec le, le mode 3 chasseurs et euh, un escadrille de bombes. Donc comme vous avez 8 bombardiers et comme avec le talon j'en avais 9, le temps de rechargement est de une minute approximativement donc c'est assez long à recharger si vous préférez jouer trois chasses un bombardier je préfère euh, la force offensive que donne deux escadrilles de torpilles ça nous donne un peu plus de, de polyvalence je trouve alors je vais envoyer ma chasse au centre essayer de contrer euh, sa force offensive de nouveau j'ai une escadrille euh, bien en avant alors que l'autre vient juste de décoller une escadrille euh, de torpilles est en train de se recharger. Oh, le Furitaka, il est pas bien. Non, il devrait avoir du mal à éviter ses torpilles. Non, on va perdre un Furitaka de plus. Ce qui nous fait 5, 6, 6 bateaux perdus contre seulement 3. On va essayer de compenser tout ça. Bon, de la chance, il a rien touché avec ses bombes. Vous voyez ma deuxième escadrille. Je vais essayer d'être beaucoup plus présent. Je vais essayer de contrer sa chasse. Là, Avec mes torpilleurs, je vais essayer d'attaquer leur gros navire. Voilà. Le groupe 2 a nettoyé. Le groupe 3 s'occupe de sa chasse. Je vais renvoyer tout ça sur sa deuxième partie d'attaque. Pendant ce temps-là, mes torpilleurs sont en train de monter. Il me, donne, il me donne du travail ce petit porte-avions. Il essaye d'attaquer sur plusieurs fronts. Voilà, je vais essayer de m'occuper en priorité des torpilleurs. Toujours pareil, je vais attaquer avec mes deux escouades de torpilles en simultané. Je vais attraper au passage les bombardiers. Au niveau des torpilles, ouh, c'était pas mal. J'ai presque coulé le fuseau avec 4 torpilles qui ont touché. Ça serait bien que mes alliés le sortent. Il reste 1000 points de vie. Voilà, le groupe 3 a fini. Le groupe 2 a fini. Je suis à 24 appareils ennemis détruits. Voilà, le fuseau est coulé. C'est super. 4-6 au niveau des bâtiments perdus. Les torpilleurs sont déjà presque rentrés. Je, je, bouge un petit peu avec mon saipan, mais je reste toujours euh, dans le bas de la map, hein. J'ai pas envie de trop de m'avancer parce que il reste un destroyer et puis j'ai pris euh, souvent des risques à m'avancer un petit peu trop avec des porte-avions et c'est pas forcément l'idéal. Euh, il ne faut pas non plus rester immobile derrière une île. Il faut toujours euh, essayer d'être en mouvement parce que si vous avez des torpilleurs qui surgissent brusquement, et ben, si vous êtes lancé, vous avez plus de facilité à les éviter que si vous devez euh, démarrer à partir de zéro. Mes torpilleurs sont pleins. Je vais faire entrer ma chasse, je pense. Vu qu'ils sont pas complètement pleins en niveau d'avion et ils ont plus, plus beaucoup de munitions. On va faire sortir mes torpilleurs. J'ai le Nagato, je pense que je pourrais couler le Nagato sur le côté qui est plus ou moins arrêté. Le torpilleur décolle, la chasse se recharge. Je vois que le milieu de map ça a l'air de tenir. Je vais aider plutôt le flanc droit où il n'y a plus qu'un croiseur. Voilà, le Nagato a réapparu. Toujours pas de signe des ennemis. Je vais envoyer une chasse un peu plus pour couvrir mes avions. Une chasse est plus ou moins au milieu de la map. Je sélectionne mes deux escouades. Si je le place bien, je devrais pouvoir couler le Nagato. Parti. Ça largue. Ça a l'air pas trop mal. Et tac, 4 torpilles. Donc comme vous voyez, hein, l'espace est tellement large entre les torpilles qu'une torpille qui touche à la proue, la dernière touche à la poupe. La chasse ennemie est là. Elle essayait peut-être d'intercepter euh, mes avions en train de rentrer. On dirait que c'est pour moi, cette fois-ci ce raid. J'ai qu'une escadrille l'instant disponible l'escadrine le, numéro 3 devrait rentrer mais un petit peu en retard je pense je vais bouger mon porte-avions essayez de ne pas me faire sortir bêtement mes torpilleurs sont en train d'atterrir le porte-avions a une bonne DCA il a il a détruit deux torpilles à lui tout seul les bombardiers sont tombés j'ai pris une torpille une seule torpille. Je répare immédiatement. Ça va, je m'en sors vraiment bien sur cette attaque. Il a perdu euh, quelques avions et c'est pas fini. Par contre, au niveau des, des bateaux, c'est pas bien du tout. Pas bien du tout. On est à 7-9. Il ne reste plus que deux croiseurs avec moi. Je vais essayer de lui tuer un maximum d'avions avant qu'il rentre. Pendant ce temps-là, mes torpilleurs se sont rechargés ils décollent. Le groupe 3 n'a plus de munitions, il rentre. Le groupe 2, je vais le laisser un petit peu en, en attente, je pense, en protection. Donc j'ai un Pensacola ou un New York. Je vais laisser le Pensa au croiseur qui est à côté de moi. Et plutôt essayer d'aller aider le pauvre croiseur aux prises avec un New York pratiquement full vie. Sachant qu'en plus, le New York doit pas être seul, je pense. Donc je vais essayer d'aller aider mon allié sur ce flanc là. Il y a un Myoko aussi qui descend. Ma chasse va sur la sienne. Ah, le man est aussi là. Ça va être difficile. C'est parti. Un largage. Deux largages. Deux torpilles ont touché. Deux torpilles toujours avec deux voies d'eau. Ça c'est pas mal. Il nous fait 4 torpilles passer pas sur le New York. Je ne sais pas s'il avait la réparation ou pas. On verra. Au niveau des scores, on est passé à 8 à 9. Le Kirov euh, essaye de venir à côté de moi. Il n'est pas bien non plus. C'est pas très très résistant comme croiseur. Mais c'est très bien ce qu'il fait, le fait de, de se rapprocher de moi. Ça, on pourra accumuler notre défense aérienne pour le prochain raid du porte-avions, je pense. J'ai toujours un groupe de chasse qui essaye de scouter un petit peu le flanc droit, vu que mon allié est mort. On n'est plus que deux. Il n'a plus que un chasseur. Les torpilleurs sont presque prêts à redécoller. Son chasseur est détruit. Mes torpilleurs vont redécoller. Pour l'instant, je suis à 16 torpilles et 40 avions abattus. Un seul navire coulé. Les torpilleurs décollent. Je vais les envoyer sur le seul bateau que je vois. Le Kiraf lui tire dessus. S'il est en AP, il pourrait le sortir rapidement, ça serait pas mal. Oui, c'est un Myoko. Super. Super. Très beau, très beau tir. Ce qui nous fait donc un croiseur de moins à gérer. La grosse difficulté va être pour moi le, le destroyer, je pense. Donc, j'aimerais bien que mon allié le détruise. Le raid du porte-avions m'arrive dessus. Je vais essayer d'en intercepter un maximum. Le destroyer est en train de descendre vers moi. Ça, c'est pas bon pour moi. Pas bon du tout. Le New York tire. Je fais le Je fais ciel dégagé. J'ai détruit une escouade de torpilles. La deuxième est en train de se faire détruire. Oh, le Kirov a pris une bonne dose. Il est presque coulé. Il évite un raid aérien. Mes torpilleurs sont là, je vais essayer de sortir le New York pour aider mon allié. Voilà, les torpilles sont larguées. La première devrait être juste, mais la celle du milieu devrait être bonne. Le New York est coulé. Il y a un man, par contre, un Mahan qui se rapproche de moi. J'aime pas ça du tout. Ah, le Kirov a été coulé. Je suis tout seul. Je suis tout seul contraint de destroyer et le porte-avions. Mais vu l'espacement de, des torpilles, ça va être très très dur de le couler, le Mahan, je pense. J'ai une escadrille de torpilleurs disponible, une qui rentre. Je vais faire décoller mes torpilles. Je vais laisser ma chasse autour de lui pour le spotter. Ça va être dur. Ça va être dur. Dans le chat on veut me reporter, j'ai pas trop compris pourquoi. Hein. Alors mes torpilleurs sont là. On va essayer de larguer. C'est parti. Ah regardez cet espacement. Non. Non, non, non. J'ai largué un petit peu trop près. Assez facile pour le man. Une décolle, une se recharge. C'est reparti. Le Mahan tourne. Il se prépare à un prochain largage, je pense. Qu'est-ce qu'il fait Oh, il s'est coincé Il s'est coincé Ça, c'est l'occasion ou jamais. L'occasion là, jamais de larguer, sachant que le porte avion ennemi me revient dessus. Mais je prends le temps de bien viser. C'est parti. Les torpilles sur le Mahan. Avec de la chance, c'est bon. C'est bon. Alors là, c'est... Ça, c'est bon pour moi, très très bon pour moi. Maintenant, voilà, la super DCA de mon porte-avions a détruit ces deux torpilleurs. Il reste ses bombardiers, une escouade que j'ai chopée et une escouade qui largue, qui ne me fait pas de dégâts. Sa deuxième escouade devrait larguer. Largue et ne me fait pas de dégâts de nouveau. On se retrouve en duel de porte-avions. J'ai encore détruit deux appareils. Je suis donc à 18 torpilles et 62 avions abattus. On a une avance au niveau des points. Donc il suffit que je survive et la game est gagnée. Mais mes deux escadrilles redécollent et ça ne va pas se passer comme ça. Je vais aller couler mon adversaire. Il n'a plus de chasse. On me félicite dans, la, dans le chat, ça fait plaisir. J'ai pas pu vraiment le tester, je n'ai eu que une journée avec le Saipan, mais c'est vraiment un navire euh, exceptionnel, je trouve. Il faut, faut seulement le prendre en main. Oh le Hiroyu est venu Il est venu me chercher. Il est venu me chercher. Donc c'est parti, mes torpilleurs arrivent. Il a encore des bombeurs, il a encore des bombeurs, mais il est sur la fin. Les escouades redécollent euh, avec seulement 3 avions par squad. Je vais essayer de faire une attaque en croisée. Le groupe 5 va larguer. Le groupe 4 va attaquer sur l'autre flanc. J'ai envoyé mes chasseurs sur ces bombeurs. Les torpilles devraient toucher. Voilà, une torpille qui touche. Du coup, je largue de l'autre côté. Deux torpilles touchent de ce côté-là. Le gros calibre. 21 torpilles. Et 65 avions détruits. Et ça continue. Normalement, une prochaine rotation. Et l'Iryu est coulé. Mais malheureusement, je ne pense pas avoir le temps. Il reste moins d'une minute. Il reste moins d'une minute. Il ne doit plus avoir d'avion du tout. Il n'aura pas le temps d'essayer de taguer non plus. Allez, mes petits torpilleurs, faut se recharger. Il reste 5 secondes avant le décollage. Il redécolle. Ça va être juste, je pense. La Squad 5 redécolle. La Squad 4 est presque prête. J'ai des avions sous le feu de, de l'Iriu, mais comme vous pouvez le voir, ils encaissent pas mal. Hein. Ce sont des... L'avion de niveau 9, faut pas oublier. Et non, ça va être juste... Mais la gamme est gagnée. Au niveau des scores, je peux pas savoir combien de crédits ça rapportera. Mais comme c'est un premium, je pense qu'il rapportera pas mal de crédits. 21 torpilles, 68 avions abattus, 3 navires coulés. Au niveau des scores de l'équipe, je suis premier avec 2136 points d'expérience. Pour les rapports détaillés, seulement 2300 points avec les inondations, par contre 123 600 points de dégâts avec les 21 torpilles. L'avantage du Saipan c'est que vous pouvez contrer le porte-avions ennemi, comme vous le voyez, l'Iryu n'a fait que presque 600 points d'expérience et que 4 avions abattus. C'est un navire vraiment excellent à jouer, je trouve, avec un gameplay complètement différent de ce qu'on peut être habitué à jouer, surtout en étant américain. Cependant, je ne conseillerais pas forcément à un joueur débutant car il faut une certaine prise en main. J'espère que cette vidéo sur le Saipan vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et pour le référencement et pour cela je vous en remercie. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si bien entendu vous désirez me suivre et être au courant des prochaines vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt